Pour le week-end dans le Morvan, je suis arrivé hier soir dans la nuit et je suis du côté de Pierre Pertuis, connu pour ses célèbres double pont, premier pont, et je suis sur le deuxième pont. Ce pont abritait un tournage du film La Grande Vadrouille. On le voit au moment où Funès et Bourville passent ici avec leur chien. Le Morvan, c'est quand même une région de VTT, donc j'espère pouvoir faire quand même des belles balades et surtout pouvoir profiter de la forêt, de tous les lacs qui font cette région et les petits villages tout aux alentours, parce que tous les petits villages que j'ai traversés du moins de nuit hier soir sont très jolis. Il y a notamment le Vézelay qui est aussi très joli, le château de Bazoches. Voilà, donc un bon week-end en perspective, et en plus on a le temps qui va avec, ils annoncent une belle journée. Bien Wikiloc, parce que j'ai des itinéraires préenregistrés faits par d'autres utilisateurs, et du coup même si je ne capte pas, ça suit l'itinéraire, donc c'est hyper pratique. Donc là c'est le point de départ d'à peu près une cinquantaine de kilomètres dans le Morvan, sur les pistes du Morvan. Donc ça commence ici. L'itinéraire que j'emprunte part de Saint-Père. Saint-Père, c'est à quelques kilomètres de Pierre Pertuis, là où j'ai passé la nuit. Et je vais direction le lac de Pansière. C'est à peu près. Alors c'est en plusieurs parties sur Wikiloc, hein, c'est Morvan partie 1, je suis en train de faire, de Molaire. Merci Molaire, ça a l'air d'être pas mal ton circuit. Voilà, donc à peu près 2-3 heures de piste au cœur du Morvan. On a une super belle journée, il fait super beau, c'est super agréable. Voilà, j'espère que tout va bien se passer. Quand même, hein. C'est voilà, c'est terrain un peu comme ça tout le long, mais bon, ça passe, hein. Mais niveau avec mes pneus, ce sont pas des gros pneus mud, c'est Bear Goodrich KO2. Ce type de terrain pour l'instant, je pense que ça se peut suffire. On verra au fil de la journée, mais là c'est déjà bien bien ça. Je viens de passer à côté du château de Bazoches. C'est vraiment juste à côté de la piste que j'emprunte depuis ce matin.
C'est vraiment un super, un très joli château, une très belle demeure Vauban. Je vous propose de redécouvrir ça de vous-même. Premier obstacle un peu compliqué sur la route, sur les routes du Morvan. Il y a pas mal d'arbres qui sont tombés. Il va y avoir une tempête ou quelque chose comme ça. Le truc c'est que moi je peux pas. Là je peux pas passer du tout. La seule solution ça serait de les retirer un par un. Donc ça peut demander du temps avec des sangles. Donc je vais voir si je peux passer. Et là je suis en train d'aller vérifier si la sortie est facile pour faire demi-tour ici. C'est pas ce qui est le plus évident. Donc voilà, il y a déjà encore bon, quatrième tronc et il est encore plus gros celui-là. On va voir si ça passe. Non, c'est un sac. C'est un sac à muscles qui permet de. Voilà, deuxième tronc d'arbre enlevé, plus que deux. Allez, c'est reparti. J'ai quitté les pistes du Morvan pour rejoindre plus rapidement le lac de Pansières parce que j'ai pris pas mal de retard tout à l'heure en enlevant les troncs d'arbres sur l'ensemble du chemin. C'est tout aussi sympa. Je traverse quelques villages, Saint-André, Empurie, Marigny-l'Église. Je suis passé aussi par Carré-les-Tombes aussi dans ce coin-là. Et là je me dirige tranquillement vers le lac de Pansières où a priori je vais pouvoir passer la nuit.